Dieu exhorte les peuples de toutes les nations, de tous les pays et même de toutes les professions, à écouter la voix de Dieu, à voir son œuvre et à prêter attention au destin de l'humanité, afin de faire de Dieu le plus saint, le plus honorable, le plus élevé et le seul objet d'adoration parmi l'humanité, et pour permettre à l'humanité tout entière de vivre sous sa bénédiction. Tout comme les descendants d'Abraham ont vécu sous la promesse de l'Éternel, et tout comme Adam et Ève que Dieu a créé au commencement ont vécu dans le jardin d'Éden, l'œuvre de Dieu déferle comme une puissante vague. Personne ne peut le retenir ni arrêter son avancée. Seuls ceux qui écoutent attentivement ses paroles, le cherchent et ont soif de lui, peuvent suivre ses pas et recevoir sa promesse. Ceux qui ne le font pas connaîtront un grand désastre et recevront une punition bien méritée. Seuls ceux qui écoutent attentivement ses paroles, qui cherchent